Bienvenue en ce dernier jour du colloque de Mitor 2020. Welcome to our last day of this Domitor 2020 conference. I have the pleasure to welcome five brilliant panelists. And by way of an introduction, I would like to highlight some of, to me, the greatest hits of their papers. Alors, en guise d'introduction, je me propose de vous présenter ce qui m'apparaît comme les grands coups des contributions de mes cinq brillants conférenciers. Ça va prendre environ 10 minutes, ce sera bilingue, comme ça tout le monde pourra avoir une même base sur laquelle on pourra se reposer avant d'entrer dans les questions. Vos questions seront prises en premier. So it will take 10 minutes and it's bilingual so that everyone can have the same basis before the questions. And I will take straight your question at once after that. Alors, je commence avec celui que vous connaissez tous, Ian Christie, qui est le vice-président de Domitor, mon vénérable alter ego dans cette fonction, et professeur à l'Université de Londres, au Birkbeck College. So I begin with the one you all know, Ian Christie, professor at Birkbeck College, University of London, and vice-president of Domitor, my revered alter ego in this function. Ian's paper dismantles what he calls the pattern of the pioneer myth, according which the first British studios were disorganized, rudimentary, carried by one or two people only. This paper shows that film work is at once conceived as a business by businessmen in a very organized and collaborative way. Donc Ian déconstruit ce qu'il appelle le mythe des pionniers, selon lequel les premiers studios anglais étaient désorganisés, rudimentaires, portés par une ou deux personnes seulement. Et cette conférence montre que la production filmique est immédiatement conçue comme un business par des businessmen de manière très organisée et collaborative. Ian points out two methodological questions that emerge as key issues in all panel contributions. Toutes les communications du panel vont revenir sur deux questions méthodologiques que Ian pointe dans sa communication. So it's absolutely consistent, une cohérence parfaite que ce panel. Alors, les deux questions sont la terminologie et les sources. Donc, première chose, la terminologie, puisque Ian Christie rejette tout usage rétrospectif de la terminologie professionnelle et économique et plaide pour un respect des locutions historiques telles que film factory, littéralement l'usine à film, qui est un terme utilisé à l'époque par G.A. Smith. Et deuxième point, Ian dénonce la mystification inhérente aux témoignages rétrospectifs, souvenirs et mémoires des dits pionniers, et il incite à se tourner vers des sources comme les photographies. Alors, the first point is terminology. Ian Christie rejects any retrospective use of professional and economic terminology and advocates the use of historical wording, such as G.A. Smith Film Factory. And the second point, the sources. Ian points out the mystification inherent in the retrospective accounts and memoirs of the so-called pioneers. And he encourages us to turn to sources such as photographs. Ian, be sure you can count on me as your strongest ally on this visual path. Ian, sache que tu peux compter sur moi comme ta meilleure alliée sur cette voie des sources visuelles. The second paper is a perfect match, as much chronologically as methodologically. We owe it to Wyatt D. Phillips, assistant professor at Texas Tech University. La deuxième contribution s'inscrit dans une continuité parfaite tant chronologique que méthodologique et on la doit à Wyatt Phillips, professeur assistant à la Texas Tech University. Wyatt nous invite à redécouvrir le cinéma des premiers temps à la lunette comptable qui s'avère incroyablement productive, c'est le cas de le dire. Wyatt invites us to rediscover early cinema in the light of accounting, which proves to be incredibly productive, no pun intended. J'identifierai deux grands coups dans ta présentation, Wyatt. I would identify two main hits in your paper, Wyatt. First, and it's fantastic in relation to the conference theme itself, you found out a definition which is almost an answer to the title of the conference. I will share my screen so that you can see it. Okay. So here is the great list of criteria that you discovered in accounting historiography related to what made the accounting practice become a true profession.
And as you perfectly said, this can be more generally applicable and relevant to enlighten the development of all early cinema crafts and profession or not profession. Donc, Waya, tu as trouvé une définition qui est presque une réponse au titre du colloque. Qui est presque une réponse au titre du colloque. Il a trouvé une liste des critères identifiés dans l'historiographie de la comptabilité comme marquant la transformation de la pratique de comptable en une véritable profession. Et comme le dit très bien Wyatt dans sa conférence, ces critères sont tout à fait pertinents pour éclairer le développement de toutes les pratiques, tous les savoir-faire et les métiers ou pas métiers du cinéma des premiers temps. And a second hit of your presentation is your discovery of an almost perfect coincidence between the American professionalization and institutionalization of the accountants and the American institutionalization of cinema. The almost same dates appear, the same word of system imposes itself in both fields. Finally, the motion picture production seems to become the lab and the epitome of the capitalist economy. Donc, un deuxième coup de force de ta présentation consiste dans ta découverte d'une coïncidence presque parfaite aux États-Unis entre la professionnalisation et l'institutionnalisation des experts comptables et l'institutionnalisation du cinéma. On a presque les mêmes dates, on trouve le même mot de système s'imposer dans les deux champs et finalement, la production cinématographique semble devenir une sorte de laboratoire et d'emblème de l'économie capitaliste. Anna Garibaldi, who is a PhD student at the University of California, Santa Barbara, proposed a subject that is more topical than ever in these COVID times, because you are mainly studying sick leaves. Donc, Anna Garibaldi, qui est doctorante à l'Université de Californie, Santa Barbara, nous propose un sujet qui est plus actuel que jamais en ces temps de COVID, puisque elle étudie avant tout les arrêts maladie. Donc, more precisely, you study American contracts between actors and producers before the cinematic contract solidification in the late 1920s. And by this way, you highlight the emergence of an awareness of the actor's profession and condition. Plus précisément, elle étudie des contrats américains entre acteurs et producteurs avant le phénomène de syndicalisation et la stabilisation des contrats de la fin des années 20. Et par ce biais, elle révèle l'émergence d'une conscience de la profession et de la condition des acteurs. The main hit of your paper is to show the connection between early cinema and vaudeville actors' contracts. You especially trade a similar evolution of the working conditions of the actors in case of illness or unforeseen calamity, going from a system that we could call play or play, forcing the actors to play after the sick leave or even to compensate or even during it, yes, to a system of play or pay in which actors have to pay back their salary, but at least they are not forced to die on stage. Donc, l'apport essentiel de votre article est de montrer le lien entre les contrats des acteurs du premier cinéma et du vaudeville. Vous retracez tout particulièrement l'évolution similaire des conditions de travail des acteurs en cas de maladie ou d'accident. On passe, pour le dire vite, d'un système que nous pourrions appeler « jouer ou jouer », qui oblige les acteurs à jouer après leur arrêt maladie pour compenser, ou même pendant celui-ci, eh oui, à un système imposant de jouer ou payer, dans lequel les acteurs doivent rembourser leur salaire, mais au moins, on ne les oblige pas à mourir sur scène. And for the last two papers of the panel, we dive into microhistory, which allows us to reconnect with what Prisca Morrissey called on Tuesday a Sherlock Holmes approach. Pour les deux dernières présentations du panel, on plonge dans la micro-histoire qui permet de retrouver une approche à la Sherlock Holmes, pour reprendre la célèbre formule de Prisca Morrissey. Jitka de Préval, docteur et chercheuse indépendant, collaboratrice régulière de la Fondation Jérôme Pathé-Sédoux et des Archives nationales du cinéma indien, nous propose de suivre à la loupe les pas de l'opérateur voyageur Camille Legrand, envoyé par Pathé en Orient, en exhumant, et donc c'est pas, elle exhume des sources fantastiques. Donc Jitka de Préval, independent researcher, regular collaborator of the Jérôme Sédoux Pathé Foundation and the National Film Archive of India, invites us to follow, with magnifying glass, the footsteps of the traveling operator Camille Legrand, sent by Pathé in the East, and she discloses fantastic sources, such as, I re-share my screen,
Comme cette demande de mission que Camille Legrand adresse au ministre français et dans lequel il fait état de ses fonctions chez Pathé en proposant en 1912 toute une terminologie professionnelle différenciée et précise que vous avez donc sous les yeux. Et vous jouez un peu au ministre, Gitka, en tâchant de vérifier si toutes ces expériences sont avérées et en trouvant les indices dans des archives, dans les archives exceptionnelles de la Fondation Jérôme Sédoux-Pathé. So this is the mission request Camille Legrand addressed to the minister, French minister, in which he described his duties at Pathé, proposing in 1912 a whole range of differentiated and precise professional terminology. And in a way, you play the role of the minister, Gitquin, trying to check whether all these experiences are true. And you find cl the clues in the exceptional archives of the Jérôme Sédoux-Pathé Foundation. Et alors, le grand coup de votre présentation, Gitquin, c'est, à mon sens, de découvrir, au gré d'une étude terminologique très fine, le moment où le mot opérateur surgit chez Pathé. Vous êtes formel, c'est en 1904 et ça provoquera assurément un dialogue passionnant avec Luca Mazzei et Silvio Alovisio et d'innombrables domitoriens. The great thing about your presentation, Jitka, one of the main, is to discover by way of a detailed terminology study the moment when the word operator comes up at Pathé. No doubt you found it's 1904. And that will certainly provoke a fascinating dialogue with Luca Mazzei and Silvio Alovisio and countless dormitorians. Finally, enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile de Coninck, Institut universitaire de technologie de Lille A. Finally, I'm pleased to welcome Cécile de Coninck à l'Institut universitaire de technologie de Lille A. Vous avez enquêté sur les coloristes de Pathé, avec, tout comme Gitka, le soutien et l'aide de Stéphanie Salmon à la Fondation Jérôme Sédoux-Pathé, d'une sorte d'incarnation de tout à la fois Scotland Yard, le Dr Watson et tous les indices possibles de Sherlock Holmes. Et vous faites aussi un détour par les appareils, notamment les découpeuses de pochoirs, et par la collection du deuxième partenaire de notre colloque, la Cinémathèque française, une collection assez formidable et je vous mettrai dans le chat, je vais vous mettre tout de suite le lien vers cette collection qui est assez exceptionnelle. So, Cécile, you've investigated the Pathé female colorist workers with, like Gitka, Stéphanie Salmon's support and help at the Jérôme Sédoux-Pathé Foundation. We could say she is a sort of incarnation of, altogether, Dr. Watson, Scotland Yard, and all Sherlock's informants. And you take a detour through the technical devices, more precisely the collection of our second partner of our Domitor conference, La Cinémathèque Française. I put the link toward its great digital collection of apparatus, of devices. Alors, tant en termes de sources que de terminologie, votre présentation est passionnante. Vous découvrez que le mot coloriste ne pose pas tellement de problèmes quant à son apparition, mais bien plus quant à sa disparition. Puisqu'en effet, la mécanisation des tâches et la taylorisation générale du studio Pathé vont faire disparaître cette spécialité manuelle, ce talent, ce savoir-faire. La condition des coloristes se prolétarise et finalement, elles ne sont plus recensées que comme des employés qui manipulent des machines. Both in terms of sources and terminology, your presentation is exciting. You notably discover that the word colorist is not so much a problem when it appears, but rather when it disappears. Indeed, the mechanization of tasks and the general taylorization of the Pathé studio will make this manual specialty, this talent, this craft disappear. So the condition of the colorist is more and more proletarianized, and finally, they are only called employees who handle machines. Vous utilisez des sources, encore une fois, hop, c'est la dernière fois, vous utilisez des sources nombreuses, mais je finirai sur celle principale, le livre des sorties du personnel. Il s'agit du registre qui recense les noms de tous les employés au moment où ils quittent l'entreprise. On y note alors quand ils sont entrés, mais surtout quand ils partent et pourquoi, donc la cause de leur renvoi ou de leur démission. Et je trouve que c'est un joli loop qu'on accomplit ici, puisque si notre appel à contribution s'ouvrait en justifiant la pertinence du thème de notre colloque
aussi par le 125e anniversaire du fameux film La sortie des usines Lumière, vous nous offrez, Cécile, avec ce document, une sorte de version négative, une version impitoyablement industrielle de la sortie des usines Pathé. So you use many sources, but I'll end up on the main one, the book documenting the departures of the employees. It's a register that lists the names of all employees when they leave the Pathé company, with the date they entered, but especially the date they leave and why, the cause of their dismissal or resignation. And I think it's a nice loop that we are doing here, because our CFP call for paper opened by justifying the relevance of the theme of our conference, also by the 125th anniversary of the famous film Workers Leaving the Lumière Factory. And you offer us, Cécile, with this document, a kind of negative version, a ruthless industrial version of the workers leaving the Pathé factory. So I stop here. I hope it will be useful and not too long. And I at once open the discussion, just checking the chat. And I have the wonderful ally Dimitrios Latsis, who will help me in this process. So the first question is from Ian. No, yes. okay, no, I'm not seeing the question. You have, of course, the link. Thank you to have done that, to have put the link, Dimitrios, toward the panel. Do you have any questions? Just take the liberty to... Okay, if you are not, I will have this the privilege of beginning. Oh, yeah, Wyatt? I have a question for Hannah, and maybe you addressed this and I missed it, yeah, but we're talking about, or you're talking about the relationship between these contracts and sick leave and certain issues of disability. So in the time, and then Valentine, I think very wisely sort of indicated, right, in the time we're in, it makes me think of the 1918 flu, and was there any impetus for the development of these contracts as a result of work stoppages or illness or death? Did you see any kind of spike around the immediate period after in terms of trying to push these kinds of contracts onto employees or modified versions of these contracts? Yeah, no, that's a great question. Unfortunately, my time frame was prior to the big flu that happened in 1918. I was really trying to look at especially vaudeville and the stage, but really prioritized vaudeville. As you can imagine, early cinematic contracts are really hard to get a hold of during that period, especially because there's no unionization for film actors at that point. So there's no equitable contract developed until, like Valentin said, the later 1920s with the Academy contract. So for that reason, I actually cut it short before the flu broke out. However, I will mention that by the early 1910s, there was discussion through the, I believe it was the National Vaudeville Association, to actually create a fund, kind of like a pension fund, to help provide for sick actors and people who had various maladies that happened on the stage. And so we see that there are developments beyond just the contracting strategies that happened even prior to the outbreak of the 1918-ish, around there, the flu. So one would hope, like I said, unfortunately, I didn't delve as much until into that period afterwards, but one would hope that these kind of developments that happened prior to that would have continued and developed further after the flu broke out in the later teens. So I apologize. It's weird because I was so focused on this early period looking at the development that I wound up kind of like not prioritizing the flu outbreak, although this is part of a larger project. So I hope to document that much more extensively. Thank you, Anna, and thank you. So there is a question from Derek Long to Wyatt.
So this is the question. This, I'm just reading it. This might be outside the scope of your research, but have you found any clear indication as to trends or other developments when it came to charging individual films production overhead costs? Are accountants' practices with regard to individual films considering overhead costs at a macro level outside the charges of individual film, the yearly distribution slate, for example? At Mutual, around 1914, films were charged a daily overhead costs per reel, but are there other methods of that illuminate studios' conceptualization of their production? Yeah, that's a little bit more micro than I've gone in terms of the accounting histories. I've certainly looked at some of those record books more from later. So those that are in the Academy archives in LA at the Herrick, which, you know, have all the very, very, very detailed double entry materials. And I remember, and you probably remember as well as I do on this, Derek, discussion about how to depreciate films once ideas of depreciation become sort of commonly accepted. So whether or not those could be individually depreciated, you know, in the next year's books. But at the micro level that you're talking about in terms of overhead, I was fairly sure that was involved in it. Honestly, it may have been from your work, but I didn't see any of that in this research. This was more macro in terms of layering the two histories. And a lot of the impetus for this started, interestingly, and Ian's paper, again, really well paired with the histories of George Stout and the way that he applies this same pattern of pioneer myth, but does it in a later date and for that sort of industrialization modernization myth. And he does it in 1968 or 69. So it's after pretty much everybody's gone, and there's very few people to dispute his own self-mythologizing about his role. And so I was curious if there was any other individuals that had a similar trajectory in terms of moving from an accountant with the sort of perception of how to organize vertical integration into that kind of driving impetus that he self-declares first at Ince and then at Synod for the division of labor. And I didn't find any other examples, but that sort of is what drove this, and that kept me more at a macro than a micro level. It was a great question. Thank you. Je vais passer en français pour faire une question de la part de Prisca à Jitka. Prisca nous dit, c'est passionnant, donc Prisca Morisset, pardon, c'est passionnant cette question de hiérarchie entre opérateurs, maîtres et assistants, et de terminologie. As-tu repéré aussi des différences au niveau du salaire selon les emplois qui l'indiquent? C'est une question extraordinaire, mais qui demanderait une réponse très très longue, parce qu'il y a effectivement énormément d'indicateurs concernant les disparité des salaires. C'est évident que les opérateurs voyageurs sont le mieux payés, surtout quand ils partent en voyage loin, comme en Extrême-Orient, c'est la zone de prédilection pour ma recherche. Et là, on voit qu'ils touchent non seulement les salaires mensuels, qui peuvent aller jusqu'aux 500 francs par mois, mais qui sont aussi intéressés sur la vente, probablement, qui sont défrayés très largement. Et toutes ces sommes qu'ils touchent font de ce métier un métier vraiment très intéressant du point de vue financier. Ils acquièrent un autre statut social. Et on peut le sentir aussi sur ce questionnement de Legrand quand il met en avance toutes ces fonctions dont il a bénéficié chez Pathé.
C'est très, très important pour lui de montrer qu'il fait partie des opérateurs, metteurs en scène, qui sont aussi mieux payés financièrement chez Pathé. Et puis, comme je regarde son existence, son travail sur une vingtaine d'années, évidemment, il y a une évolution à partir de 1907, 8, 9. Il touche de plus en plus d'argent. Mais c'est vraiment un autre sujet qui mériterait d'être abordé très, très largement. Et puis, je vais évidemment en faire part dans la monographie que je prépare et qui sortira au printemps, en juin prochain. Donc, ça, c'est passionnant. J'ai vu aussi passer une question concernant Malachar. Exact. C'est une question. Oui, cet ami. Et c'est un opérateur qui a beaucoup voyagé, qui a fait plusieurs voyages avec Camille Legrand, notamment en Suède, par exemple, avant qu'il soit victime de naufrage de Titanic. Et je suis en train de voir, je veux contacter la famille de Malachar pour voir un petit peu s'il n'y a pas d'archives personnelles qui existeraient encore. Mais c'est passionnant, toutes ces vies des opérateurs oubliés. Alors, c'était une question de Stephen Bottomore par rapport à Malachar. Il avait une deuxième question qu'il a adressée à Jitka. Non, pardon, à Cécile. Et la question donc, de Stephen à Cécile, je ne la retrouve plus. Oui, y a-t-il une liste en ligne chez Pathé, peut-être si Stéphanie est parmi nous, elle pourra répondre, des noms de caméramans. Est-ce qu'on a une sorte de liste des caméramans qui ont travaillé chez Pathé? Est-ce qu'on a un moyen de trouver ce genre d'informations? Alors, il faudrait demander à Stéphanie parce que moi, je ne me suis pas du tout caméraman. Je sais juste que, ben, effectivement, je mentionne que Nicole Chauveau a été au département des caméras. Donc, qu'est-ce qu'elle y faisait? C'est pas sûr, d'ailleurs. Ça peut être de la maintenance, ça peut être simplement peut-être un peu de filmage, mais je n'ai pas d'autres informations dans ce domaine. Voilà. Donc, demander à Stéphanie si elle est là. Je ne sais bien. Pas si elle en fond pas. Caméraman ou caméra woman. Oui. En tout cas, dans les archives que j'étudie, donc les journaux comptables, on peut trouver d'innombrables noms d'opérateurs qui changent au fur et à mesure des années. Et c'est surtout les opérateurs des voyageurs et ceux qui ont aussi eu leurs propres entreprises qui ont fait des films à redevance, etc. Donc il y a une hiérarchie qui existe, mais on ne peut pas trouver tous les opérateurs. Tous les opérateurs ne sont pas mentionnés dans ce document. Merci. I am turning to Ian. Is in fact is more like questioning people than answering. But your question is perhaps a way to speak also about what you can tell us about it. So you had a question to all for everyone in this panel. So and even outside the panel, because Prisca Morisse just wants also to answer to it. So it's a general issue that you point to. You say a general issue arises here. We know much more about the organization of the Pathé studios than any other. But how typical was it? Did other studios follow the same pattern or differ? I think it's a big and great question, and we might discuss. Perhaps you can just begin, Ian, just saying if it was like a model for you in your research, like a comparison that you always tend to do, or if it's or it's more like always like something that you don't recover in your examples. I don't know. Well, it's. I mean, we know so much more about Pathé, and I think
you know, it's interesting that the image we use in the Domitor website, yes, at work, is a Pathé image, because it's very important. And we have to stop and ask ourselves, we know more and more about the Pathé studios as time passes. And I'm, of course, very interested in the pre-1905 period, when there are fewer, smaller studios. How are they organized? And as you summarized, what I argue in my paper is that we have relied too much on, you know, the pioneer myth, you know, the sort of Albert Smith, two reels and a crank. This would be the classic example of, you know, if you read this, you would think that the whole studio consisted of three people. It's not true, obviously. But something I came across recently, it's a recollection, a memory, that apparently the British representative of Gaumont, who would become very important in the British industry, he asked Léon Gaumont if he could build a studio in London, following the model of Robert Paul's studio. And the answer was, don't bother with it. Don't waste time. Don't waste money. So I'm going back to an earlier period and asking, when did it become apparent that building a studio was a worthwhile investment? Because it certainly wasn't there at the beginning. And since I think that's the primordial question. When was it sensible to invest in building a fixed studio? And everything else follows from that. And I wonder if others have got, I know most people in this panel are concerned with the later period, but I wonder if any of our other contributors or audience perhaps know the answer to that question, because I'm not sure myself about it. Ian, what did you say, what year was that? That no. Well, interesting question. it's difficult to assign it to a particular year, yeah. But if Paul built a studio in 1898, which was very early indeed, mm-hmm. Very few others were building studios at that moment. So it could be that the Gaumont's representative in London was taking his example around about 1900. We know that there was a short-lived studio for British Mutoscope and Biograph. We don't really know if it was a proper studio. It was a place to film, but whether it was really a constructed studio, we just don't know. And there are no traces, there are no photographs, no nothing. Mm-hmm. So it's around about the 1900 point, I think. That's a tipping point. I don't have an answer, but I love in your presentation, you used the phrase, that these were proto new media businesses, right? And that's a way that I've always thought about this era in terms of the dispersed economic motivations and choices and decisions that we find in any new media moment, where there are many more wrong paths, wrong in terms of duration, not in terms of the moment, right? And so I think that this is a great specific question that places it back into that new media moment, where it wasn't obvious that building a studio was the wise economic choice, right? And they're simply going off of what is visible to them in that moment. And this is where I'm sorry, Valentina, just to respond to Wyatt's point, I do think that's a way of thinking about it. And I suggest tentatively that maybe we should look at the parallel development of sound recording. Mm-hmm. Mm-hmm. Because there again, the issue of building a studio becomes central. Anybody can make a recording with the phonograph and the gramophone and similar devices. But when you build a studio and start to insulate it as a special place to make music recordings, then of course you're embarked on a very important chapter, a new chapter in the development of another new medium. And I think there is a parallel here. Maybe. Sorry, but I have to go to the questions. Elif had a question for Cecile. She was asking, I wondered if there was a hierarchy between the female colorists.
if there were differences in the wages, seniority, etc. Please. Yes. There was a hierarchy. The older you are, the more money you get. And also, there's also a tricky difference between married women and non-married women, because I think, but I should go deeper. I don't have enough information, but it seemed that if you constitute a couple, you have a different way of being paid than if you are a single person. But the problem is I'm not a specialist of that period. So I could find the information, but I don't have it specifically precisely right now in hands. But it's possible to find, or maybe you have it. No, I was gonna ask, is there a comparable industry that paid women laborers in that same manner, right? So I think of textiles, perhaps, that use that same model of pay gradations that might be a good thing to look at in terms of why did they decide to do it that way? Certainly wasn't out of a vacuum. It was likely just applied from some other model of business. So that might be In France it was like that in other industries at that time. So if you want to look carefully at this, you look at my bibliography about Catherine Omnes. She did a thesis about a woman between the two wars. And she looks carefully at the way women are paid and how they are paid and how they constitute a kind of I cannot find the English word, I'm sorry. It's not a couple, but it's like a family in terms of law of economical component. Thank you so much. On a eu quelques réponses, hein, j'en reviens juste. Prisca justement a répondu à la question de la spécificité de Pathé en disant c'est très difficile car on manque d'infos sur Gaumont, Éclair, Luxe, etc. Mais il y a circulation des hommes entre les firmes, surtout après 1905-1906. Pour Gaumont, il y a un décalage. Pour Pathé, les travaux de Maurice Giannatti sont formidables pour bien comprendre, par exemple, l'augmentation des effectifs chez Gaumont. Donc, en effet, Gaumont est peut-être une super clé. Merci beaucoup, Prisca, pour cette contribution. On a aussi une réponse de Stéphanie par rapport à la question de Stephen Baltimore, qui disait qu'il n'y a pas de liste pour cette période. Ce sont essentiellement les journaux comptables, parfois des photos, des échanges aussi avec des descendants qui nous apportent beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie, aussi, par cette contribution. J'ai une question qui s'adresse un peu à tous, qui pourra peut-être... faire valoir une sorte de conclusion. Je m'excuse, hein, de toute façon, on n'aura pas le temps de tout traiter. Vous savez toujours qu'il y a le forum sur le site pour pouvoir continuer la discussion. So the question, more general question, and very any idea when stunt men, women began to be used in filmmaking? So la question des figurants. Quand est-ce qu'on a utilisé des figurants qui étaient désignés comme tels? And did they have to sign waivers to exempt studio from lawsuits? Also, were there special forms of insurance for possible injuries, fatalities as a result of film stunts? C'est une question de Betsy G. Green à tous les conférenciers. Yeah, thank you. So ask me that in like 2 years when I work on my larger project. So I am embarking on a dissertation, and this kind of paper was kind of my first foray into this material, but I am going to be looking more in depth at stuntmen and insurance practices and waivers and things like that. But at this point, again, I apologize. I'm very focused on the kind of earliest stages of the contract development. So again, ask me in like 2 years, and maybe I'll present again and I can address that question then. I thought if anyone can answer, if you have any clue, I don't know, with your sources, if you had come across the stuntman questions or not, but... Sur les cascadeurs. Pardon?
Ah oui, c'est les cascadeurs plutôt que les figurants, pardon. Donc, et Steven dit déjà que Rodman Law était l'un des premiers. Puis Gaumont le nommait Puy. Quelqu'un d'autre qui sait davantage? Si jamais on a aussi une réponse de Stéphanie Salmon, toujours dans cette question du modèle Pathé-Gaumont, elle nous dit « Gaumont n'est constitué en société anonyme qu'en 1906, c'est-à-dire que les moyens financiers, le modèle de la seconde révolution industrielle est adopté plus tard, à une période où Pathé a déjà un catalogue important de fiction et 3 studios. » Donc, toutes ces inputs, j'essaye d'en faire cas, puisque comme ça, ce sera immortalisé dans la discussion de ce panel et les discussions dans le forum pourront aller un petit peu plus loin que tout cela. Et merci beaucoup pour vos contributions. Dimitrios Latsis, who is helping me on this panel, do you have some questions I missed and do you want to make everybody talk? I think, do you have any input? I have missed something. I have missed things. No. Pas particulièrement. Je vois ici qu'il y a des questions relatives l'un à l'autre de Jean-Pierre pour Jitka sur les opérateurs Pathé. Si c'est un phénomène seulement chez Pathé ou s'il y a des autres préexistants chez Lumière. Et pour Stéphanie, de Stéphanie pour Steven, d'abord, on peut l'adresser en dehors de ce panel, mais peut-être pour Jitka, pour finir. Oui, opérateurs, pour Lumière, on sait que c'était des opérateurs qui pouvaient non seulement faire des films, mais aussi tourner des films, mais aussi projeter des films. Excusez-moi, Jitka, la question, c'était vraiment sur le terme. Donc, sur le terme opérateur, oui, il existe certainement, ouais. Par rapport à la date de 1904. Peut-être la question, c'est est-ce que cette date de 1904, vous l'avez retrouvée ailleurs? Chez Pathé. Non, j'ai pas cherché ailleurs. Ouais. Je cherchais chez Pathé. Alors, de nouveau, c'est peut-être une question plus générale, si cette notion d'opérateur a déjà est apparue. Si quelqu'un peut, avec la même assurance que vous, Jitka, nous dire, eh bien, c'est en telle année qu'il apparaît, je ne sais pas, chez Gaumont ou ailleurs. Dans les journaux, on voit le terme opérateur délégué des Frères Lumière en Russie, par exemple, dès juin 1896, mais il y a peut-être des références avant également. Et c'est qu'il signale Prisca aussi, également. Ouais. Peut-être que le mot, disons peut-être que le mot existe, mais son usage systématique, justement, dans les documents de compte et d'attribution et l'idée d'une profession qui soit reconnue comme telle, c'est peut-être ça qui fait vraiment la différence. Donc, c'est difficile, évidemment. Mais puisque vos sources étaient celles-ci, Jitka, vous avez... Oui, c'était mes sources principales parce que je voulais des... découvrir la carrière de mon opérateur, de mon Camille Legrand. En revanche, j'ai oublié de dire quelque chose. Alors qu'ils se battent à faire valoir ses autres titres, metteur en scène, opérateur, etc. En fait, dans les cahiers comptables, il est toujours opérateur, comme les autres metteurs en scène. Ces deux métiers ne sont pas différenciés. C'est ça qui est intéressant. Ils sont toujours répertoriés en tant qu'opérateurs, même en 1920 ou quand c'est par exemple Abel Gance qui rejoint l'équipe des réalisateurs Pathé. Il n'y a que le mot opérateur pour la comptabilité qui existe. Il fait foi. Merci. Fait foi. I have one regret, perhaps, is not to have enough time to speak about the female workers' condition, which is a main point in your contribution, Cécile, and is absolutely fascinating. You have like documents
very interesting about the condition of these female workers, if they were like married or not and how. So I invite everyone to just go and see what the documents you are showing. And I think it might just last for hours just to speak about it. But I would really like thank you for this very input. And I'm just telling that there is like a woman film history society, which is growing. And I think your work would be fascinating for every one of us, and especially in this society. And so thank you, everyone.